Charles Druck, et vous pensez des courses de classe action cet hiver? Elle a toujours bien couru, à part dernièrement j'étais un peu déçu, petite piste, elle n'a pas accéléré pour finir. Mais sinon toutes les autres courses sont bonnes. Bon, elle cherche sa course, qu'est-ce qui lui manque pour la remporter? Ce qui lui manque, un peu de chance et peut-être le déferrage. Donc ce qu'on va faire jeudi. Ouais, déferrer les 4 pieds, normalement ça devrait la booster. Normalement, j'avais jamais osé le faire. J'avais peur qu'elle soit un peu light d'allure, mais là elle est mieux et dans son allure et ça devrait passer des 4. Et d'ailleurs, chaque fois que vous l'avez déféré des postérieurs seulement, c'était ou dans les 5 ou disqualifié. Donc là, déjà postérieur, ça l'aidait bien. Oui, mais de toute façon, même ferré dans les 5 ou disqualifié, ça l'améliore, ouais, le déferrage des postes. Donc on espère que ça va encore plus améliorer les 4. Comment vous l'abordez alors cet engagement? On l'aborde sereinement. Maintenant, il y a de l'opposition. Cheval de François Lagadec et celui de William Bigeon sont des sérieux opposants. Avant le coup, déférer des 4 pour la première fois, on peut s'amuser à la retenir en tête, ça ne serait pas une bêtise, Charles? Non, ce ne serait pas une bêtise de la retenir en tête, ni à 2 ou 3e place, mais sûrement dans le tiercé.